à tous. Merci d'être venus pour assister à la conférence en compagnie de Hervé Coudray et Éric Fleury. Donc avec Fabien, on a décidé d'axer la conférence sur la professionnalisation du club, car depuis cette année, ils sont montés en Pro B. Donc dans un premier temps, on va vous présenter les intervenants et leur parcours dans le club. Ensuite, on va vous faire un petit historique du club, le modèle économique et l'accès au professionnalisme, le changement avec l'année dernière et l'avenir du club avec leurs projets sur du moyen terme. Donc, on va commencer par Hervé Coudray. Donc, vous êtes coach en Pro B. Quel a été votre parcours pour arriver jusqu'ici? Bonjour à tous, je suis d'une famille de basketteurs. Mon père a joué au basket, a été international et très tôt je me suis mis à jouer au basket d'abord. J'ai entraîné plusieurs équipes, d'abord sur Rennes, plutôt dans le secteur féminin. Je suis parti un petit moment sur Saint-Brieuc en Pro B, revenu à Rennes et m'est passé 10 ans à Mondeville. En deux périodes, une première période de 5 ans. Je suis parti à Valenciennes, qui était un des plus gros clubs français à l'époque. Je suis revenu 5 ans à Mondeville. Et puis depuis 5 ans, puisque c'est ma cinquième année, je suis coach au camp basket Calvados. Entre ça, j'ai été cadre technique à la Fédération française de basket pendant 9 ans d'abord sur Rennes. À Caen ensuite, j'ai été assistant des équipes de France pendant assistant sur les équipes de France féminines pendant que j'étais CTR à Rennes pendant les 9 ans, des plus jeunes, des U16, U18, U20 et de l'équipe de France senior féminine en tant qu'assistant. Je me suis occupé de l'équipe du Mali aussi, j'étais coach de l'équipe nationale du Mali en filles, et puis l'année dernière j'étais coach de l'équipe garçon U19. L'équipe de France, et ça m'a permis de participer ou à des championnats d'Europe, ou à des championnats du monde, ou à des championnats d'Afrique qui permettent d'avoir des expériences un peu exotiques aussi. Et quant à vous, Éric Fleury, vous avez occupé pas mal de postes au sein du CBC, vous êtes un peu un historique du club. Si vous pouviez nous parler un peu de votre parcours en général et au CBC. Bonjour à tous. Oui, alors moi, j'ai connu un petit peu toutes les casquettes au niveau du CBC. Mais avant de revenir au CBC, j'ai eu une carrière qui a démarré, vous n'étiez pas né, dans un petit club à Bréville-sur-Redon. J'ai signé un premier contrat professionnel au CBC. Et après, je suis parti jouer en pro à Évreux, au Paris Levallois. Je suis revenu à Évreux et revenu à Caen. En fait, j'ai fait toute la Nationale 13, aller-retour. J'ai également, après ma carrière pro, j'ai arrêté de jouer à l'âge de 33 ans. J'avais passé mes diplômes BE1, BE2 pendant cette période-là. J'ai entraîné le centre de formation d'Évreux, qui était un des meilleurs centres de formation à l'époque. Et j'ai eu la chance et le privilège aussi de coacher pendant 2 ans en pro A à Évreux. Et à l'âge de 35 ans, j'ai décidé de changer de vie. J'ai pas eu la patience d'Hervé de continuer dans ce métier-là. J'ai voulu changer de vie. Je suis revenu à Caen. J'ai recommencé tout à zéro. Aujourd'hui, je travaille dans l'immobilier. Et j'ai réintégré le club également dans le coaching. À l'époque, on était en National 2. J'y suis resté 4 ans. Et puis après, je suis devenu président du club avant que Hervé arrive. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Après être président, maintenant aujourd'hui je suis directeur sportif. Il me manque plus que la place de gardien de gymnase du palais et puis la boucle sera bouclée. Donc justement, à propos de l'historique du club, le CBC a connu une grande phase de succès et puis est pas mal descendu jusqu'en 97. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période rapidement? Et le renouveau aussi, le redémarrage du club à partir de 97. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans l'historique du club, c'est que le CBC, le camp basket Calvados, qui était avant le camp basket club, c'est un club qui date des années 50. À l'origine, c'est le père de M. Chambilly, l'ancien président du Stade Malherbe, qui avait sollicité un joueur de la région qui jouait à l'époque à Monaco. Ça se passe en 1950. Et ils ont créé la section basket. Et ça s'appelait donc la section basket du Stade Malherbe.
de Caen. Et en 58, ils ont décidé, par l'intermédiaire de la mairie, de changer et d'avoir une section indépendante du Stade Malherbe, et ça s'est appelé le Camp Basket Calvados. Après, le Camp Basket Club a connu des heures de gloire dans les années 70-75, avec une demi-finale en Coupe Corac, deux titres de vice-champion de France. Le palais des sports était plein. Et puis après, il y a eu un petit peu, pas la descente aux enfers, mais des résultats moins bons, des budgets moins importants, des équipes un peu plus faibles. Et le club a vivoté en Pro A jusque dans les années 96. Et il y a eu un dépôt de bilan en 97. Le club est reparti au plus bas, c'est-à-dire en plus bas niveau national, en National 4. Et après 97, le club est resté en National 2 pendant plusieurs années, jusqu'à l'arrivée en 2013 d'Hervé, de Nicolas Batum et de Thierry Godefroy qui ont relancé un petit peu la machine et qui ont permis au club d'atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Et justement, quels ont été les rôles de Nicolas Batum et Thierry Godefroy dans cette reconstruction ? Alors, moi, à l'époque, je suis président. Moi, quand j'ai repris, on était avant-dernier en National 2. On avait un très faible budget par rapport aux autres équipes. Le club, financièrement, était tenu uniquement par les subventions des collectivités. Et puis, on sentait qu'on allait avoir du mal à avancer. Et moi, je me souviens très bien de ce passage-là. J'ai appelé Camille Eleka, qui était ami avec Nico Batum. Nico Batum, lui, depuis quelque temps, disait qu'il remettrait bien, il aiderait bien le club à surmonter tout ça. Et j'ai appelé Camille et je lui ai dit, écoute, nous, on est au bout du bout, on ne pourra pas faire mieux. Si Nico veut s'investir dans le club, c'est maintenant. Et tout s'est enchaîné. Nicolas Batum a rencontré Thierry Godefroy, qui est arrivé de Mondeville. On a recruté Hervé et on a mis tout en place. On a essayé de mettre tout en place pour avoir des ambitions. À l'époque, on est en National 2. Hein. Faut remettre dans le contexte. Et on fonctionne un peu comme un club de National 1. Voilà. Et là, tout va très vite puisqu'il y a eu deux montées en 4 ans. C'est ça, Hervé ? Deux montées en 4 ans, c'est ce qui est pas neutre. Hein. C'est quelque chose d'important. Et on est passé d'un club... comme dirait notre président actuel, de patronage à un club professionnel en l'espace de 4 ans. Et justement, vous Hervé, par rapport à ce projet-là, comment est-ce qu'ils vous ont convaincu de rejoindre le CBC et qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez ce projet ? La connaissance des personnes d'abord. J'étais persuadé que Caen était une ville de basket. J'avais vécu 10 ans à Mondeville. Où j'avais le sentiment que les spectateurs qui étaient dans la salle, parce qu'on avait du monde pour du sport féminin, on avait beaucoup de monde, parce qu'il y a des années, on a fait plus de 1800 spectateurs de moyenne, et c'était important. Mais j'étais persuadé que ces gens-là étaient plutôt des spectateurs plutôt que des supporters. Ils étaient là parce qu'en fait, à Caen, il n'y avait plus de haut niveau masculin, et ils venaient voir les matchs d'Euroleague à Mondeville, mais par défaut, puisqu'ils n'étaient pas très énormément fans, énormément supporters. Et donc j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire à Caen. Le fait de connaître les personnes, entre Thierry Godefroy qui avait travaillé avec moi sur Mondeville pendant plus de 10 ans, Nicolas Batum qui avait joué à Caen et qui avait envie de s'investir, enfin de donner un coup de main au club. Voilà, et puis moi j'étais en fin de contrat, Thierry Godefroy venait de partir, avait choisi de s'écarter du club au mois de février, et moi je voyais aussi que Mondeville allait avoir un projet minime, puisque Thierry avait l'avantage d'avoir un réseau au niveau des partenaires qui était important, et je savais que le projet de Mondeville allait baisser, donc j'avais pas franchement envie de continuer sur cette voie-là. Pourquoi repartir ? Parce que c'était un risque aussi, hein. Je coachais en Euroleague et puis on allait repartir en National 2.
Mais j'ai cru dans ce projet et puis c'est pour ça que je suis parti avec eux quoi, en fait. Et le plus difficile, ça n'a pas été le premier match à domicile parce que la salle était pleine, il y avait plus de 2000 personnes, mais le plus difficile, ça a été le deuxième match ou le troisième lorsqu'on a commencé à jouer à l'extérieur. Et je me souviens du premier match qui était à Coulommiers et il y avait 50 personnes dans la salle quoi, en fait. Et là, on se dit waouh, où j'ai mis les pieds. Et puis en fait, vous l'oubliez assez vite parce que l'enthousiasme qu'il y avait dans la salle. Vous n'aviez plus, à domicile en particulier, vous n'aviez plus le sentiment d'être en National 2, mais déjà d'avoir franchi un cap. Et pour revenir sur Nicolas Batum et Thierry Godefroy, ils sont investis dans le club, donc Thierry Godefroy à plein temps et Nicolas Batum. Donc, quelles ont été leurs actions pour le club et en quoi ils ont aidé le club? Thierry Godefroy avait déjà un réseau de partenaires avec lui à Mondeville. Lorsqu'il s'est investi au camp basket Calvados, beaucoup de ses partenaires l'ont suivi. C'est quelqu'un de projet, c'est quelqu'un qui est persuasif. Et il les a drainés un peu avec lui. Nicolas Batum, ça a été un booster. Je me souviens d'être allé avec Thierry et Nicolas chez un partenaire qui était déjà partenaire du club. Et quand vous allez avec Nicolas Batum, eh ben, il rajoute un zéro au bout du chèque. Et ça change un peu la donne. Nicolas Batum, ça a été surtout une image. Quand je dis un booster, c'est ça. C'est que quand Nicolas dit « je vais m'investir au CBC », il ne s'est pas investi, enfin Eric en parlera sans doute plus que moi, il ne s'est pas investi ou il n'a pas investi énormément financièrement. Même si la première année il a donné un coup de main, mais il a investi en image. Et le fait que Nicolas soit là avec nous au départ, ça a été le booster, ça a fait le buzz. Je me souviens d'être passé à l'équipe TV parce qu'on parlait des championnats, je crois que c'était les championnats d'Europe. Et le journaliste, alors qu'on parle de l'équipe de France, eh ben, il ne peut pas s'empêcher de me poser une question sur le CBC avec Nicolas Batum. Donc ouais, on a fait le buzz et ça a créé une dynamique qui existait déjà, mais ça a entretenu la dynamique et ça a redonné encore un autre élan à la dynamique du basket à Caen. En termes de sponsors, en termes de supporters, parce qu'en National 2, avoir une salle avec plus de 2000 personnes dans la salle, c'était le seul endroit en France quasiment. Donc non, c'était quelque chose de... Nicolas, c'était plutôt un booster, quelqu'un qui a apporté son image. Thierry a apporté son réseau de partenaires. Et puis un petit peu son savoir-faire qu'il avait eu avec Mondeville pour accueillir des gens en semaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu une stratégie d'essayer de décaler des matchs le plus souvent possible en semaine pour pouvoir fidéliser les partenaires. Très bien, donc on vient de parler des partenaires, donc la transition est toute trouvée sur le modèle économique. Vous avez un modèle économique un peu particulier, surtout dans le basket et dans le basket professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos financements et notamment des quasiment 80% de budget venant de partenaires privés? Alors, comme disait Hervé, Thierry Godefroy, en amenant tout son réseau de partenaires, a multiplié cette partie financière de façon considérable. Aujourd'hui, le club, c'est environ, en termes de budget, 1,7 million de budget. Et sur ces 1,7 million, comme vous l'avez dit, 80% sont amenés par les partenaires, ce qui est énorme, sachant que le reste, c'est les subventions des collectivités territoriales. Alors, il faut rajouter, quand on dit 80, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a les recettes guichets, hein, qui représentent environ, de mémoire, 140 à 150 000 euros sur une saison. Ce qui est énorme aussi. L'avantage que ça a aussi sur le modèle économique, c'est que plutôt que d'avoir un seul sponsor ou deux sponsors qui représentent 80% de ce budget de partenaires, vous avez plein de petits sponsors. Ce qui veut dire que le jour où il y en a un qui arrête ou deux qui arrêtent, ça ne met pas en péril l'aspect financier du budget. Et est-ce que ce modèle-là est volontaire ou ça s'est fait un peu... l'engouement autour du club, il est volontaire par la force des choses. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ville comme Caen,
Vous avez le Stade Malherbe, vous avez les filles de Mondeville, vous avez le hockey, vous avez le hand. Il y a plein, une multitude de sports qui font que la répartition des subventions vont un peu partout. On est obligé de passer par ce mode de financement. C'est primordial, sinon c'est la mort assurée. Et aujourd'hui, le club tente d'essayer de s'améliorer, de continuer à progresser dans ce domaine-là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Mais par rapport à l'outil dans lequel on est, on s'en trouve un petit peu limité. Comment vous positionnez par rapport aux autres équipes en Pro B au niveau de votre budget ? Alors, au niveau du budget, on doit être le 12e budget de la Pro B sur 18. Est-ce que cela vous met en difficulté ou pas par rapport aux autres ? Alors, on est bien placé pour... Pour le savoir, avec Hervé, ça peut vous mettre en difficulté au moment du recrutement, effectivement, puisque plus vous avez un budget important, alors après, dans le budget, il y a la masse salariale aussi. Au niveau de la masse salariale, on est la 9e, c'est ça, 9e masse salariale de la poule. Ça veut dire que lorsque vous faites un recrutement de joueurs, vous n'êtes pas sur le premier marché. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont passer avant vous parce qu'ils ont plus d'argent à mettre dans le recrutement. Donc après, il faut être malin, un petit peu malin pour dénicher des joueurs ou faire des paris sur certains joueurs dans des tranches de prix qui nous correspondent. Voilà. Alors évidemment, c'est handicapant par rapport au recrutement, mais vous avez aussi des gros budgets. Aujourd'hui, Nancy a un énorme budget et ils ne sont pas premiers du championnat. Donc gros budget ne veut pas dire forcément... que vous allez monter. Mais ça vous aide quand même un petit peu. On a parlé de vos recettes et maintenant au niveau des dépenses, comment ça s'organise les principales dépenses du CBC ? Alors au CBC, il y a, j'ai vu ça avec Antoine hier qui doit être là. Ouais. Il y a 14 joueurs professionnels sous contrat, deux coachs de l'équipe première, donc Hervé et son assistant. On a un contrat professionnel au niveau du club qui s'occupe de toute la section jeune et on a un contrat professionnel pour l'entraînement du centre de formation, plus une secrétaire à temps partiel. On doit être à, si mes calculs sont bons, à une vingtaine de salariés au niveau du club. Sachant que sur toute la partie communication, c'est du bénévolat. Sur toutes les autres parties concernant l'apport de Thierry Godefroy, d'Éric Fleury, etc., c'est du bénévolat. Voilà le mode de fonctionnement actuel du club, sachant que vous avez en comparaison avec d'autres clubs de Pro B, où ils ont un DAF, un directeur administratif financier à temps plein, parfois un manager général à temps plein, alors parfois un directeur sportif à temps plein, un chargé de com à temps plein. Aujourd'hui, le CBC ne peut pas se permettre financièrement, dans sa structure, de faire comme ces clubs-là. Ou alors, ça serait au détriment de beaucoup d'autres choses. Et justement, donc au niveau de la masse salariale, j'imagine qu'elle a beaucoup évolué entre le CBC de N2 et le CBC de Pro B. Comment se passe et comment s'organise le club en interne et comment ça a évolué suite aux montées du club ? Alors la masse salariale aujourd'hui, elle doit être à 750 000 euros. En comparaison, en National 2, on devait être à 480 ou 490 000 euros. Donc il y a une nette progression. J'ai perdu le fil. La question. Au niveau des salariés en interne, surtout par exemple au niveau donc communication, ça reste du bénévolat, mais tous les autres salariés un peu administratifs, comment ça s'est passé cette réorganisation et... Ben, au niveau administratif, il n'y a pas eu de changement puisque on avait une secrétaire à temps partiel et elle est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus ? L'augmentation des contrats de joueurs, hein, puisqu'on avait 7, 8, 9 joueurs pro en National 2, 10 maxi, et on est passé, on est à 14. On a un coach salarié à temps plein au niveau du centre de formation. Donc il n'y a pas eu d'énormes évolutions. Il y en a eu, mais très peu.
Donc on va enchaîner sur l'autre partie, donc l'accès au professionnalisme. Donc l'année dernière, vous, en N1, vous étiez sous la direction de la FFVB et maintenant en Pro B sous les normes de la NB. Est-ce que vous avez trouvé un grand changement depuis l'année dernière ? C'est un tsunami. C'est un RV. C'est... Rien que d'y repenser... En fait, vous apprenez que vous montez en Pro B, vous êtes heureux, vous faites un petit peu la fête, et puis là, les ennuis commencent. Et le cahier des charges, on l'a reçu, on va pouvoir vous en parler, on va pas tout vous dire parce qu'il fait 60 pages. Mais, c'est effectivement un tsunami, alors, quelques exemples au niveau... De la salle, pour l'homologation de la salle. Il fallait que ça soit homologué, donc ils sont venus, la LNB est venue à Caen pour voir si c'était si effectivement notre dossier était accepté, parce que vous pouvez sportivement monter en Pro B, mais au niveau du cahier des charges, on peut vous le refuser. Donc il y a plusieurs aspects, hein. Il y a l'aspect financier, il faut monter un dossier, un prévisionnel, il faut que ça tienne la route. Après, vous avez la salle. Il a fallu faire des modifications dans la salle, c'est-à-dire... une salle de presse obligatoire, contrôle antidopage obligatoire. Les paniers, par exemple. Oui. Il y avait des paniers. L'obligation en LNB est d'avoir des paniers accrochés au sol et pas suspendus. C'était le cas. Sauf qu'il y a une norme qui a changé par rapport à LNB. Et le déport qu'il doit y avoir entre le panier et l'ancrage est différent. Donc il a fallu que les paniers soient changés, alors qu'on jouait sur ces paniers-là, mais il fallait changer et il y a eu un tas de choses qui a évolué comme ça. En plus, on a eu un tsunami parce qu'on a une salle qui date de 50 ans. Et par exemple, dans toutes les salles de LNB et de Ligue féminine maintenant, vous avez un système Keymotion qui est en fait une caméra qui filme les matchs et sans que vous ayez besoin de bouger la caméra. Et ça doit être visible par toute la planète en même temps. Donc il y a un système de capture des images et qui doit envoyer directement les images sur la toile de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Or, nous, on avait un souci, je vais vous donner un détail, il faut la fibre optique pour pouvoir transmettre ces... Et ça, quand vous êtes au Palais des Sports, ça fait partie d'un ensemble, d'un parc exposition, et c'était un problème. Et donc, dans le tsunami, il y a eu un détail qui a été comment on va faire. Alors, on avait installé une box, sauf que ça ne montait pas. Enfin, où ça montait, ça mettait trop longtemps, donc vous ne pouviez pas voir les matchs. Et une fois que le match était fini, par contre, vous pouviez le voir, mais pas en direct. Et donc, la Ligue ne validait pas ce genre de système. Donc, ça, c'est un détail sur la vidéo, mais tout a été une affaire de bagarre pour arriver à obtenir un petit peu l'accord de la Ligue nationale et qu'on puisse être validé en Pro B. Ouais, il y a aussi les sticks, vous savez, qu'on met au sol. De la LNB qui doivent être visibles à chaque match, qu'il faut mettre à chaque match et enlever à chaque match parce qu'il y a le hand aussi qui joue. Et ça a des coûts, parce qu'une fois que vous avez enlevé un stick, il n'est plus récupérable. Donc, autre chose, autre exemple, les arbitres. On passe de 2 arbitres à 3 arbitres en Pro B. Les arbitres, en fait, on doit les accueillir à leur arrivée à l'aéroport, à la gare, on doit les amener à leur hôtel, on doit leur payer l'hôtel, le petit déjeuner et le repas du soir. Et on doit aussi également les ramener le lendemain matin, parfois à 6 heures, à l'aéroport ou à la gare. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça a vraiment été un tsunami. Après, ça, c'est dans la logistique. Il y a d'autres exemples. Hein. On ne va pas tout vous parler. Après, au niveau sportif, la réglementation, quand vous arrivez de N1 en Pro B, vous n'avez pas de centre de formation. Si vous n'avez pas de centre de formation, vous devez avoir dans l'effectif 4 joueurs de moins de 23 ans. Capables de jouer. Avec des contrats professionnels. Quand on parlait de Paris tout à l'heure, Hervé, il a eu le nez fin. Il a fait venir Bastien Vautier, qu'il avait eu en sélection nationale, joueur de 19 ans. Ouais, 18 à l'époque. Ouais, 2m10. Qui est une des révélations du championnat, c'était un pari. On a fait venir Ibrahima Sidibé,
qu'on avait rencontré à Jet Vosges. À Jet Vosges, exact. Joueur de 21 ans, qui n'avait jamais joué en Pro B et qui montre aujourd'hui qu'il peut jouer en Pro B. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Quand vous montez de N1 en N2, vous n'êtes pas du tout sur la même équité que les autres équipes qui sont là en place depuis plusieurs années. Donc cette réglementation des joueurs de moins de 23 ans, pour un club qui monte en Pro B, c'est compliqué à gérer. Après, il a fallu se dire, est-ce qu'on fait un centre de formation ou pas ? Parce que quand vous avez un centre de formation qui est agréé, vous n'avez plus cette règle des moins de 23 ans. Ce qui change tout. Mais on s'est dit, si on ne le fait pas, l'année d'après, on va se retrouver dans la même difficulté. Obligatoirement, il faudra recruter 4 joueurs de moins de 23. Sauf que pour monter un centre de formation, c'est pas simple. Vous devez avoir un coach salarié à temps plein, vous devez avoir des conventions avec certains joueurs. Je peux vous dire. Scolaire, enfin, voilà, des aménagements horaires. Des aménagements horaires, etc., etc., etc. Et vous n'êtes pas sûr d'avoir l'agrément. On saura si on a l'agrément dans 2 mois. Si on n'a pas l'agrément, il faudra qu'on recommence. Il faudra qu'on s'améliore pour avoir l'agrément. Si on a l'agrément, il faudra aussi qu'on progresse, parce qu'on aura certainement l'agrément, mais avec des réserves sur certaines choses. Mais ça voudra dire, si on a l'agrément, que dans le recrutement, si on est encore en Pro B, on n'aura plus ce problème de recrutement des joueurs, des 4 joueurs de moins de 23 ans. Donc c'est vraiment, quand on parlait de tsunami, ça a été 3-4 mois qui ont été un peu compliqués pour tout le monde à l'intersaison. Et est-ce que la LNB vous accorde un laps de temps pour tout mettre en place ou pas ? Ou dès le début de saison, il faut que tout le cahier des charges soit complété ? Non, le cahier des charges doit être rempli dès le début. C'est pour ça que, je vous disais, entre le moment où on a fêté la montée en Pro B et on a reçu le cahier des charges, ça a été tous les jours. Et on a encore eu un petit peu de chance parce qu'on a su assez tôt qu'on montait, puisque on montait fin avril, quelque chose comme ça. Et le championnat commençait qu'au mois de septembre. Mais l'équipe de Quimper, par exemple, qui n'a su que début de juin qu'elle montait, elle avait... En fait, nous, on a gagné 2 mois. Et il fallait quand même tout mettre en place, que tout soit mis en place. Hein. Je pense que la première visite de la LNB dans la salle, ça devait être début mai. Donc, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Comme ça, ça a permis de mettre en route... D'ailleurs, c'était une visite qui était commune avec la ville, avec les services, enfin, la direction des sports, de manière à leur faire comprendre que le parquet devait être fait, les paniers devaient être changés, la salle de presse, les vestiaires. Il y avait plusieurs choses qui devaient être mises en place. Et là, on n'a pas tout mis en place parce que, d'ailleurs, dans les travaux qu'ils ont commencé, ils ont été obligés d'arrêter parce que je crois que c'était de l'amiante qu'ils ont trouvé à un endroit. Et donc, ils vont refaire des travaux normalement l'été prochain. C'est ça. Et pour se mettre aux normes de la Pro B, donc déjà par rapport à la LNB, quel est le comportement de la LNB par rapport au club ? Est-ce qu'ils sont vraiment répressifs ou est-ce qu'ils vous accompagnent, ils vous soutiennent dans cette mise aux normes ? Et par rapport aux autres acteurs extérieurs, par exemple par rapport au Palais des Sports, est-ce que la ville aussi vous a accompagné pour se mettre aux normes ? Alors la ville nous a accompagnés par la force des choses, puisque de toute façon c'était aussi leur intérêt, sinon on n'aurait pas été accepté en Pro B. Donc de ce côté-là, ils ont fait le maximum. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits, même si de l'extérieur ça se voit pas, mais des travaux importants au Palais des Sports, parce qu'il a fallu casser des murs porteurs, des choses comme ça. Il y a eu du gros travaux de maçonnerie pour créer la salle de presse, pour la salle antidopage. Après, au niveau de la LNB, la différence par rapport à la FFBB, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, entre guillemets. Le problème de la Fédération française, c'est que dès que vous voulez avoir un service, la personne n'est pas là, elle est en vacances, on vous remet sur un autre service. La LNB, on a des interlocuteurs sur chaque service juridique, service sportif, etc. Et vous avez les portables, vous avez un souci, vous les appelez, ils répondent tout de suite. Donc ils sont dans l'accompagnement, mais à contrario, ils sont aussi dans la répression. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le cahier des charges, c'est amende. Exemple. Deuxième match ou troisième match, on a dû se déplacer. Premier match à Lille. Premier match de championnat où Eric en a parlé. On a un nombre de contrats de joueurs et de toute façon en Pro B,
pour pouvoir être sur la feuille de match, il faut avoir un contrat de joueur professionnel. On avait un nombre de contrats qui devait être de 11 ou 12. 11. Et puis, on s'est retrouvé avec deux joueurs blessés deux jours avant. Le mardi, contre Évreux, le dernier match de Leaders Cup, Bidji Montero et Marc-Edine Aurélia se blessent. Et on a un match deux jours après. Et on n'a plus que 9 joueurs valides. Eh bien, on ne met que 9 joueurs sur la feuille de match. Comme vous devez en avoir 10, eh bien, vous avez une amende. Il manque un joueur, vous avez une amende. 500 euros. Si le match d'après, vous alignez encore 9 joueurs, ça double, 1000 euros. Si le troisième match, vous avez toujours pareil de votre problème de blessure, ça double, 2000 euros, etc. etc., etc. C'est pour ça que on a recruté Johan Clay à cette période. Et aujourd'hui, on est parti à 11 contrats. Aujourd'hui, on est à 14 contrats. Et sachant que la limite... Non, on est à 15 même. 15, ouais. On est à 15. Et que la limite, c'est 16. Après, vous ne pouvez plus recruter. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 blessés. C'est fini, vous ne pouvez plus. Donc en fait, en termes de stratégie, il faut faire attention. Il faut pas... faut essayer de recruter au bon moment par rapport aux échéances qui arrivent. C'est pas simple. C'est passionnant, mais c'est pas simple. Et par rapport au changement de statut, donc déjà juridique, est-ce que le club a changé de statut par rapport à la Pro B et votre statut aussi dans le championnat, à savoir un club qui en N1, en N2 et en N1 gagnait et prétendait à la montée, et là on passe à un club en Pro B qui joue le maintien. Est-ce que les attentes sont différentes de la part des supporters ou des partenaires? Bah, je pense que Hervé pourrait vous en parler. Il l'avait dit dans plusieurs médias. Il avait prévenu, et on avait prévenu les gens en disant attention, on arrive en Pro B. Ça fait 3 ans qu'on gagne 90% de nos matchs. Il va falloir que les gens apprennent à ce qu'on perd des matchs. Parce que voilà, on a par rapport au budget, par rapport à cette première saison en Pro B, on savait que ça allait être compliqué et on avait prévenu un petit peu tout ça. Alors, je pense que les gens en ont bien conscience. Je pense qu'ils en ont bien conscience et qu'aujourd'hui, par rapport à tous les pépins de blessures qu'on a eus, les gens ont bien conscience que les garçons ils font le maximum sur le terrain. Mais il y a une attente, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous perdez un match, vous en perdez 2, vous en perdez 3, vous en perdez 4. Ça commence un petit peu à winner, les partenaires commencent un petit peu à winner. C'est du sport de haut niveau, donc c'est de la compète. Donc il faut gagner, essayer de gagner le maximum de matchs. Mais globalement, sur les retours qu'on a, les gens savaient très bien que ça allait être compliqué. Ça n'allait pas être la même chose. On est parti très fort. Hein. On est parti à 6 sur 5. 6, ouais. 5 sur 6. 5 sur 6. Les gens disent wow, ça y est, c'est reparti. On va monter en Pro A. Non. On a fait un très bon début de championnat. Parce qu'on n'a pas eu de blessés, que ça s'est bien goupillé. Et puis des ennuis sont arrivés. Vous avez un blessé, 2 blessés, 3 blessés. Et les résultats étaient plus là. Donc on a essayé de rectifier 2-3 petites choses, sachant que, c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure, il y a ces histoires de contrats. Vous ne pouvez pas dépasser 16 contrats. Et on était déjà à 13. Et puis on avait des arrêts de travail dans un premier temps de 3 semaines. Donc on s'est dit, on ne va pas prendre un joueur pour 3 semaines. C'est un peu con, parce que quand l'autre il va revenir, il va y avoir double emploi. Et puis en fin de compte... Et même quand vous prenez quelqu'un pour 3 semaines, ça vous compte un contrat. Eh oui. Ah oui. Ah oui. C'est pas 16 contrats sur toute l'année. C'est dès que vous signez un contrat professionnel de 3 semaines, de 1 mois, de 3 mois, ça compte 1. Et donc, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a pris un joueur pour remplacer Bidji Montero en novembre pour 4 semaines. Ça nous a compté un contrat. En plus, c'était un joueur qui était sur place, qui n'avait pas un gros budget. Mais ça nous a pris un contrat pour un joueur qui nous a apporté tellement peu de choses qu'on a presque oublié son nom aujourd'hui, quoi, en fait. Et c'est peut-être l'une des erreurs qu'on a fait au départ. Mais on a appris aussi avec ça. Voilà. En fait, on apprend beaucoup. C'est-à-dire que... Oui, c'est ce que tu dis, Hervé. On a certainement fait des erreurs, on en fera d'autres. Mais à l'avenir, il faudra éviter tout ça et l'anticiper.
Et je reviens au niveau de la salle. Est-ce que la LNB impose une certaine capacité de, en nombre de places ou pas? Alors, il y a des tolérances. C'est parce que, en fait, dans le cahier des charges, c'est marqué de mémoire, je crois que c'est 2000, 2003, quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il y a des salles où il y a moins. Quimper, il y a moins que ça. Il y a deux, trois salles où il y a moins que ça. Après, par rapport à ce genre de choses, ils ont bien conscience que les gens ne peuvent pas faire des travaux à l'intersaison en l'espace de 3 mois pour augmenter la capacité de la salle. Après, ce qu'ils vont vérifier, c'est de voir s'il y a des possibilités d'agrandissement dans les années à venir pour que ça remplisse le cahier des charges. Quand on parle de la salle, il n'y a pas que le terrain de basket. Pour faire vivre un club de Pro A ou Pro B, il y a aussi tout ce qui se passe autour du terrain et l'accueil des partenaires. Et l'une des limites du Palais des Sports, c'était ça, c'est que si on ne prend en compte que le Palais des Sports, il n'y avait pas de salle, de local pour accueillir des partenaires. Donc il a fallu que le club, et ça avait déjà été fait en National 2, puisse avoir un accord avec Caen Event, qui est la structure qui gère le parc exposition, pour pouvoir disposer d'un espace dans le hall numéro 3 et de mettre en place une tente VIP, une première tente VIP. Parce que quand vous voulez recevoir des partenaires, si vous voulez qu'ils puissent être partenaires, il faut les accueillir de manière intéressante. Et donc il y a eu une première tente qui a été montée, et la différence qu'il y a eu avec la Pro B, c'est qu'on en a monté une deuxième pour accueillir encore d'autres partenaires sur des thématiques un peu différentes. Il peut y avoir des repas avec les joueurs à la fin des matchs, il peut y avoir un partenaire un peu plus important qui fait un salon privé les soirs de match. Voilà. Et donc, non seulement il a fallu mettre en place quelque chose sur le palais pour le sportif, mais il faut aussi mettre en place quelque chose pour l'accueil des partenaires, l'accueil du public, parce que lorsque vous êtes en National 2 et que vous accueillez 2000 personnes, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous accueillez 3000 personnes à chaque match, voire deux fois par semaine, quand vous jouez deux fois par semaine. Et par rapport à l'accueil des partenaires, est-ce que vos prestations ont changé, vos méthodes ont changé sur en interne et sur vos processus pour événementiel surtout? C'est les prix qui ont changé. Non, les prix ont changé, et comme disait Hervé, il y a cette deuxième tente qui permet de faire des choses ponctuelles avec certains partenaires. Après, on a gardé à peu près la même forme, globalement. C'est simplement le tarif, c'est pas le même niveau, donc c'est pas le même tarif. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit bien, on fonctionnait déjà comme ça en National 1 et déjà comme ça en National 2. C'est-à-dire que je pense qu'on avait un temps d'avance grâce à ce qui a été mis en place par Thierry Godefroy, qui avait ce savoir-faire-là. On a eu un temps d'avance sur pas mal de clubs. Et on n'a pas été trop déboussolé sur l'organisation justement des après-matchs ou de l'accueil des partenaires. Il suffit de voir ce qui se fait ailleurs. Moi, je suis allé voir ce qui se faisait au Havre, à Rouen, à Évreux, à Levallois. Il n'y a pas de différence. Donc, on n'a pas été trop chamboulé à ce niveau-là. Moi, je ne pense pas. Là où on a vraiment été chamboulé, c'est on a parlé tout à l'heure sur le cahier des charges, où là, on a pris un éclat dans la figure. Le premier tsunami, il a été quand Thierry Godefroy est arrivé en National 2. Moi, je me souviens d'une discussion. J'étais président. J'ai dit waouh. Où il a voulu mettre en place ce qu'il a mis en place d'ailleurs, et où il a dit je vais donner un ordre d'idée, je me rappelle plus exactement des montants, mais la place VIP, elle était à 150 € pour l'année. Ouais, il n'y en avait pas. Où il n'y en avait pas. Et il est passé à 600 ou 700 € la première année. Et là, je me souviens des dirigeants qui étaient dans le club et qui ont dit « mais il n'y aura jamais personne ». Et lui, il a dit « non, mais ça, c'est mon problème ». Et aujourd'hui, il y a 500, proche de 500 sièges VIP qui apportent une masse considérable dans les revenus. Ça apporte 500 000 euros à peu près. 600 000 euros. 1 200 € hors taxe la place, pour une place. Donc avec ça, vous avez le droit à parking VIP, un pot d'avant-match, un pot à la mi-temps,
cocktail d'avant-match, cocktail mi-temps, cocktail d'après-match. Et la place, c'est 1200 euros hors taxe et il y en a 500 qui ont été vendus. On aurait pu en vendre plus. Le problème, c'est que l'outil, aujourd'hui, ne nous le permet pas. C'est-à-dire que si vous vendez 600, 700, 800 places VIP, après, il n'y a plus de place pour le grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est un peu limité actuellement par rapport à l'accueil public, grand public et l'accueil partenaire. Et la stratégie que Thierry Godefroy avait utilisée pour augmenter les prix, c'est qu'en National 2, on n'avait que 14 clubs, il me semble, et qu'on est passé à 18 clubs, et qu'en fait, pour vendre la place, ça vous coûte la même chose, puisqu'il y a des matchs en plus, et vous vous divisez, ça vous coûte quasiment la même chose. Et en fait, il a réussi à fidéliser ses partenaires et à gonfler le nombre de partenaires, puisque aujourd'hui, on doit être rendu à 220 ou 230 partenaires, alors que la première année, on devait être à une centaine, 150 partenaires. Et concernant votre stratégie tarifaire au niveau des places grand public, est-ce qu'elle a évolué ou pas cette année ? On est passé de 8 euros en National 1 à 10 euros. C'est ce qui se fait à peu près partout dans les clubs de Pro B. Pour vous donner un exemple, le plus cher, je crois que c'est Orléans, ils sont à 18 euros la place. Mais c'est un club qui était en Pro A l'année dernière, et qui vient de descendre et qui veut absolument remonter cette année. Le CBC a déjà parcouru beaucoup de chemin depuis la N2. Quels sont maintenant les axes d'amélioration et les projets à moyen, long terme pour le club ? Bah, dans un premier temps, nous, quand on est arrivé en Pro B, on s'est dit, on est là pour essayer de pérenniser le club en Pro B. Car tant qu'on n'aura pas une aréna ou une salle, nouvelle salle à Caen, il sera très compliqué d'avoir des ambitions supérieures à celles qu'on a aujourd'hui. Parce que même, rêvons un peu, demain, je sais pas, on fait les playoffs et Hervé fait monter l'équipe en Pro à la fin de saison. On ne peut pas monter. Financièrement, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas l'outil pour accueillir les partenaires et gonfler le budget. Donc aujourd'hui... Pour vous donner un ordre d'idée, le plus petit budget de Pro A, ça doit être 2,4 millions, c'est hier oui. Toulon. Oui. Ça veut dire que par rapport à nous, c'est au moins 600 000 euros de plus. Et ils sont de loin le plus petit budget de Pro A. Strasbourg, 7. 7. Voilà. Levallois, 4,5, 5. Donc ça vous donne des idées par rapport à ça. Donc déjà, dans un premier temps, si on arrivait... à pérenniser le club en Pro B sur les 3-4 saisons qui viennent, ça serait parfait, sans oublier de le structurer de l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que peut-être qu'on sera amené un jour à prendre un manager général à temps complet, un DAF à temps complet, une secrétaire supplémentaire, un chargé de com. Vous voyez ? Pour essayer que le jour où le club aura la chance d'arriver en Pro A, il sera déjà structuré par rapport à ça. Si déjà on arrivait à le faire sur les 3-4 prochaines saisons, ça serait bien. Donc justement, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, surtout nous en management du sport, la nouvelle aréna. Ça a l'air d'être un vrai besoin pour le club. Et donc comment vous positionnez par rapport à cette nouvelle aréna et quels sont vos souhaits par rapport à cette nouvelle structure ? Alors moi, je vais donner mon point de vue, PRV dans le sien. C'est dans les cartons, hein, vis-à-vis de la ville et puis de l'agglo. Le choix du style d'aréna ou de salle multisport va être déterminant sur la suite. C'est-à-dire que je pense que les décideurs ont intérêt à voir ce qui se passe ailleurs. Aller voir l'aréna de Bourg-en-Bresse, celle de Boulazac. Il y a des choses qui ont été faites qui sont super. Il faut que ça soit adapté au basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le basket, c'est un sport-spectacle. Vous devez avoir des spectateurs proches du terrain, proches du spectacle. Contre-exemple, je ne sais pas si vous connaissez la Kinder Arena à Rouen. Pour la plupart, très belle salle, froide, et le public loin du parquet.
c'est en termes, même quand vous êtes dirigeant d'un club et que vous voulez chercher des partenaires en signant des contrats, en leur expliquant qu'ils vont voir du spectacle, c'est compliqué parce que les gens sont très loin. Donc déjà, ça, c'est la première chose, ne pas se tromper sur le style de salle. Après, ne pas se tromper sur les besoins des uns et des autres. C'est-à-dire que nous, on aurait besoin d'avoir une salle de réception suffisamment grande pour augmenter la capacité des partenaires. On aurait besoin d'avoir une cuisine pour organiser des choses après match, etc., etc. Des salles de soins, des salles de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas si simple que ça. Et alors ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est comment ça va fonctionner. Si vous avez une aréna où vous ne pouvez pas vous entraîner dedans parce que vous avez cinq autres activités dedans, le tennis de table, etc., etc., ça devient compliqué. C'est pour ça, c'est pas si simple que ça à gérer. On attend de voir, on va voir comment ça va se passer. L'idéal, ça serait d'être l'équipe permanente dans cette aréna, de pouvoir disposer de ses bureaux dans l'aréna, de sa salle d'entraînement, et que ça soit le lieu de vie de l'équipe et du club. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hervé ? Non, j'ai le même avis. Et être le club résident, c'est quelque chose qui est capital. Capital, pourquoi ? Et pourquoi on peut se permettre de le réclamer ? C'est qu'on est le seul club, le seul sport de salle à accueillir autant de monde. Bien sûr qu'il y a d'autres sports dans l'agglomération qui pourraient avoir besoin d'une autre salle. Mais on est quand même le seul club à accueillir 3000 personnes à chaque match. Et ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un outil qui correspond à ce qu'on accueille, au nombre de personnes qu'on accueille. Alors, je sais que politiquement, puisque c'est un projet qui va être porté par l'agglo, il faut que ce soit vendu à tous les maires ou tous les gens de l'agglo. Donc on va leur proposer, on va dire à IF, vous pourrez jouer avec votre équipe dans cette salle. À Mondeville, vous pourrez jouer aussi. On pourrait dire au Hand. Voilà. Sauf qu'après, dans le mode d'organisation, là, on est déjà deux groupes à s'entraîner, le Hand et le basket. Et c'est déjà compliqué. Et c'est déjà compliqué parce que les deux clubs sont professionnels. Et on veut s'entraîner deux fois par jour. Sauf que vous ne pouvez pas entraîner des joueurs professionnels à 9h le matin. C'est compliqué. Et vous ne pouvez pas finir tous les soirs à 22h non plus. Donc, c'est à deux, c'est déjà complexe. Il faut déjà se mettre d'accord. Je pense que c'est compliqué aussi pour les politiques de faire un choix, de dire cette salle-là, elle sera attribuée au basket. Et où il faut avoir un peu les coronesses, pour le dire, voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Les salles en France qui ont été faites, qui sont utilisées par plusieurs structures, on s'aperçoit très vite qu'elles sont utilisées par personne, parce que le CBC, au bout d'un moment, il dirait, en fait, nous, on retourne au Palais des Sports. En fait, c'était un outil pourri, sauf qu'on est tout seul dedans et on peut essayer de faire le mieux possible. Alors que là, de 10 à 12, on peut s'entraîner, mais on ne peut pas le lendemain. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des joueurs blessés, ils ne peuvent pas s'entraîner avec tout le monde. Mais ils peuvent faire du travail avant l'entraînement ou après l'entraînement. Quand votre salle, elle est prise à 12 heures pour le hand, vous ne pouvez plus le faire. Et donc, vous prenez du retard sur la réathlétisation des joueurs. Une équipe professionnelle, ça ne s'entraîne pas 2 heures par jour. Ça s'entraîne au moins 2 fois 2 heures. Et d'autre part, les gens qui sont en reprise, en réathlétisation, ils s'entraînent en dehors des heures d'entraînement des deux plages horaires. Donc en fait, la salle, elle est utilisée quasiment tout le temps. Là, si vous venez au Palais des Sports en ce moment, j'ai un joueur qui a été opéré d'un ligament croisé au mois de novembre. Il fait 2 séances par jour. D'ailleurs, quand vous êtes venu, il était peut-être dans la salle. Ben voilà, mais il est pas dans notre créneau de 10h à midi. Il vient à 9h ou il vient entre 12 et 14. Et donc, en fait, la salle, il y a tout le temps quelqu'un à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça va être important de savoir quel est le modèle ou quel est le projet de la ville par rapport à ça, comment ils voient les choses. Alors, pour le moment, il y a un discours politique
que j'entends, que je comprends, mais le club pourrait très bien dire, eh ben, votre projet, c'est très bien, vous le faites, vous allez le faire utiliser par qui vous voulez. Rappelez-vous, la MMA, c'est le club de foot MMA Arena, c'est pas ça, ou MMA Stadium, je sais plus. Et puis quand il n'y a plus de club, eh ben, le stade, il ne sert plus à rien, et aujourd'hui, il tombe en ruine, quoi, en fait. Donc voilà, il faut être vigilant. Je crois que le club a un avantage. Et c'est une pression importante vis-à-vis de la municipalité parce que accueillir autant de personnes, c'est pas anodin. Et si le basket dit ben on n'ira pas dans votre salle, on préfère rester où on est, je pense que ça tire une balle dans le pied de l'aréna, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des gens intelligents. Je pense qu'ils vont essayer d'avancer parce que c'est quand même un investissement important et qu'il ne faut pas que ce soit un investissement pour rien. Donc je pense que les gens vont avoir besoin de travailler ensemble pour avoir le modèle de salle qui correspond aux souhaits du club, de la ville et des collectivités. Enfin, moi, je discutais avec le directeur des sports de la métropole de Strasbourg, par exemple, et il me dit, ben, ils sont en train de construire, je crois, une grande aréna là, pour Strasbourg. Ce sera le club de basket qui sera résident, et le club, il sait qu'il y aura 10 dates dans l'année qui seront réservées à d'autres manifestations. Mais vous le savez à l'avance, et vous savez qu'il y a 10 dates. Ce n'est pas le lundi de 12 à 14, c'est le twirling bâton, de 14 à 16, enfin, je vous dis n'importe quoi, mais d'autres activités. C'est 10 dates dans l'année où là, vous n'avez plus le palais, et là, après, on peut fonctionner différemment. Et justement, au niveau du montage du projet, donc c'est encore que le début, est-ce que vous vous êtes consulté par rapport à certains choix? Est-ce que d'autres acteurs que la mairie entrent en compte, peut-être le hand ou d'autres clubs? Comment se passe le montage du projet, justement? Il y a eu concertation, hein. Ils ont fait venir le président du club, celui du hand aussi. Voilà, ils ont expliqué un petit peu ce qu'ils voulaient faire et bah pour le moment, voilà, on en est là. Après, ça va, je pense que ça va s'accélérer. L'idée, c'est d'aller voir tous ensemble une ou deux salles en France pour voir ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait avoir. Et puis après, ils vont prendre l'architecte, même si je crois qu'ils l'ont déjà choisi. Puis ça va avancer, hein. Ça va avancer tranquillement. Mais pour le moment, il n'y a pas de date, hein. T'as une date, toi, Hervé? Si t'as une date, tu me la donnes. Et donc, justement, ça reste encore assez flou, même si le projet est lancé. Est-ce que l'avenir et le projet du CBC est conditionné par rapport à cette aréna? L'avenir, je pense pas. Le projet, oui. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si un jour le club veut être dans l'élite du basket français, il devra avoir une salle digne de ce nom pour pouvoir accueillir le grand public et les partenaires et augmenter la capacité financière du club. Voilà. Ça ne remet pas en cause l'avenir parce que le club est sain, financièrement il est sain, sportivement voilà, on est à un niveau qui est quand même important. Mais s'il veut monter, ça passera nécessairement par une nouvelle salle. Et après, alors après c'est pareil. Hein, là où vous implantez la salle, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut... Il y a des gens qui... Vous voyez ce que je veux dire, les vrais supporters du basket qui vont à la salle depuis des années et des années, on va leur dire, voilà, tu vas... je vais faire une bêtise, moi, à Fleury-sur-Orne. Ouais, mais Fleury-sur-Orne, où, à quel endroit? Parce qu'on a entendu des choses. Est-ce que l'accès routier va être simple? Est-ce qu'on va pouvoir se garer? Normalement, ils font des parkings. Hein. Mais vous voyez, il y a plein de choses. Je pense que l'endroit aussi va être important. On a parlé de Fleury-sur-Orne, on a parlé de Bréville-sur-Redon. Colombel, je crois que c'est fini. Et on a parlé, il y a un autre endroit à côté de Ifs également. Mais pour le moment, c'est pas. D'accord. Du coup, on va conclure cette conférence. Donc, merci à vous d'avoir assisté. Et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas.